Bonne récréation! Oh non! Mon requin! Madame Ferlet, j'ai renversé de la peinture sur mon requin! Oh oh, Robert? Une amie a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Une amie qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est là. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Liki-Robot, Riki-Robot, Ripa-Robot, Dibo-Robot, Riko-Robot, Costa-Robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Cette chose s'appelle un requin. Notre amie terrienne avait l'air embêtée. Quelles grandes dents! Cette créature paraît dangereuse et affamée! Chef, je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. En plus, je ne crois pas que ce soit dangereux. Ce n'est même pas un vrai. Wow! Peut-être que ce n'est pas un vrai requin, mais ces taches, elles sont vraies. Et notre ami a besoin d'aide pour tout nettoyer. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. On va nettoyer le requin, comme ça on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, nettoyer le requin. Faisons vite comme une météorite. Comment est-ce qu'on va enlever ces taches? Chef, si l'on se fie à mes calculs, c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur sidéral. Surtout quand on a de super robots. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre l'on amène. Il y a un robot pour ce boulot, c'est un champion de l'hygiène. Récu-robot, activation. Récu-robot, à votre service. Ah! De grosses taches. C'est de la peinture. Très, très sale. Mais simple comme bonjour à enlever. Comment ça, simple comme bonjour? Petit conseil de professionnel. La peinture se nettoie mieux quand elle est fraîche. Wow! Place à mon détachant plutonium. C'est l'heure du nettoyage. Tout propre. Voilà, c'est propre et flic. Et pour ces taches, Récu-Robot? Pardon, je ne voulais surtout pas te faire peur. Ce n'est pas un vrai requin. Pas un vrai? Ouf! Du calme, que personne ne panique. Notre amie terrienne a renversé de la peinture dessus. C'est très très sale. L'ennui, c'est que mon détachant surpuissant au plutonium risque d'endommager cette matière fragile. Chef, si l'on se fie à mes calculs, il est impossible d'enlever ces taches. À moins d'avoir un décapant à peinture. On n'a pas de décapant à peinture, mais on a de super robots. Et il y a sûrement un robot pour ce boulot.
Il y a un robot pour ce boulot, pour lequel on se décide. Il y a un robot pour ce boulot, qui est un expert en liquide. Liquirobot, activation. Liquirobot, à votre service. Liquirobot, as-tu un produit pour enlever la peinture sur ce requin? Oh, j'ai tout ce qu'il faut, chef. Démarrage de la sélection du produit liquido-gluant. Mon super liquide en gluo détachant devrait faire l'affaire. Est-ce que c'est normal que ça enlève tout, Liquirobot? Oh, misère, c'est la première fois que ça arrive. Mais c'est aussi la première fois que j'enlève une tache sur un requin. Tu as un liquide pour réparer ça? J'ai bien un liquide en gluo-collant réparateur. Mais ce n'est pas la bonne teinte de... requin. La peinture! Bonne idée, Rover! Une fois cette bêtise réparée, on pourra repeindre le requin avec ceci. Oh! C'est exactement la bonne couleur! C'est encore mieux! Je peux réparer et peindre le requin en même temps! Ce n'est pas dangereux de mélanger les deux liquides? Mais non! Enfin, j'espère! Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en le vaporisant en couche épaisse, ce sera fini encore plus vite! Nom d'une pluie de comète! Ça a marché! La peinture bleue et le liquide en gluocollant rendent le requin plus vrai que nature! Beaucoup trop vrai! C'est la première fois que ça arrive! Mais c'est aussi la première fois que je mélange du liquide en gluocollant à de la peinture! Halt! Arrête! Reste ici, le requin! Liquirobot! Combien de temps le requin va-t-il voler dans les airs? Jusqu'à ce que la peinture sèche! J'espère. Il va avaler! Mille milliards de pulsars! Cette mission de nettoyage se transforme en mission de sauvetage! On arrive, Liquirobot! Accroche-toi! Il est impossible de me sauver! À moins d'être équipé d'un genre de fusée! Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Oh, mais oui, il peut faire ça! Le patrouilleur Roger est vraiment chouette! Garde son calme, quelle que soit l'alarme. Il y a forcément quelque chose qu'on pourrait utiliser pour rattraper le requin. Nom d'une fusée, Rover! Excellente idée! La cage va nous servir de filet. Capturez le requin à son prochain passage! Tout est question de coordination et de travail d'équipe. Attention, tenez-vous prêts, les robots! 1, 2, 3, chargez! Atterrissage forcé du Liquirobot. Ce fut un honneur de travailler avec vous, chère équipe. Adieu. Je te tiens. J'ai même pas paniqué. Enfin, pas après que tu m'aies secouru. Mon aérogé ouragan devrait permettre un séchage ultra rapide du requin. Oui, la peinture est sèche. Fini les coups de nageoire. Remettons le requin à sa place.
Toutes les taches sont nettoyées et le requin est super sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Les taches de peinture ont disparu. C'est le patrouilleur Roger. Waouh, mon requin est vraiment super chouette. Merci, Roger. C'est sidéralifique. C'est le patrouilleur Roger qui sauve la galaxie. Ils sont prêts à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Une seule retouche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Roger, le héros sidéral. Je me balance en premier. Moi, je te pousse. Hé, le pneu a disparu. Oh, regarde. Est-ce qu'il reste un peu de corde? J'espère. Viens, allons voir. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dis qu'au robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. Partir en mission. Le moment de faire une bonne action. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robo, les T-Robo, les Barobo, les Barobo, les T-Robo, Costa Robo. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Voilà l'objet étrange que notre ami terrien a appelé un pneu. Si on l'a attaché à une corde, c'est qu'il devait être incontrôlable. C'est sûrement très dangereux. Chef, je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, je ne pense pas que ce soit dangereux, dit Corobo. Nos amis terriens voulaient s'en servir pour se balancer. Je me demande comment ça fonctionne. C'est bizarre, ça ne bouge pas. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer le pneu, comme ça on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer le pneu. Faisons vite comme une météorite. Dico Robot, montre-nous des pneus en action. On trouve des pneus sur les voitures, les vélos et les tracteurs. Normal qu'ils ne puissent pas se balancer sur le pneu,
Il manque la partie la plus importante, celle sur laquelle s'asseoir. Il faut absolument leur fabriquer un siège. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico robot, activation. Brico robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Brico robot. Pourrais-tu fabriquer un siège pour ce pneu? Aïe! J'ai exactement ce qu'il nous faut. Bricolomus, Maximus, Valorzimus! Wow! C'est fantastique, Bricorobot! Et admirez un peu la finition. Un porte-gobelet. Faisons tout de suite un essai. Bouclage de la ceinture de sécurité. À toi, Rover. Brico Robot, est-ce que tu vas bien? Je suis en pleine forme, Rover. Brico Robot, moi c'est Roger. Je comprends mieux. Pourquoi tu n'as pas de queue? Il faut qu'on découvre pourquoi la balançoire pneu ne fonctionne pas. Bien vu, Rover. La corde s'est enroulée autour du siège. Enlevons-la. Ce nœud est trop serré, je ne peux pas le défaire. Le mieux, ce serait de couper la corde. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre les signes. Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer. Réparobot, activation. Réparobot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Réparobot. Il faudrait que tu nous débarrasses de ce nœud. Oh, vous avez appelé le bon robot, chef. Il n'y a pas un seul nœud qui me résiste dans toute la galaxie. À part celui-ci. Bon, j'aurais essayé. Je ne peux rien faire sans outil. Allez, retour au vaisseau. Une bonne tasse d'huile de moteur et un biscuit cosmique ne serait pas de refus. Réparobot, tu n'aurais pas quelques outils sur toi qui pourraient nous servir? Mais oui, où avais-je la tête? J'ai tous les outils qu'il faut. Heureusement que c'est vous le chef, chef. Mon super rayon laser lunaire. Je vous coupe cette corde en deux temps trois boulons. Et voilà qui est fait. Brico Robot en position pour l'essai numéro 2. Démarrage de la poussée. Wow, wow, une seconde. Quelqu'un doit pousser. Exact. As-tu une autre solution, Réparobot? Puisque vous le demandez, chef. Carte mère, envoie-nous un électromoteur numéro 9. Le modèle de course, si possible. Réparobot, cet électromoteur a l'air très puissant. Chef, dans mon équipe de course de l'école des outils, on disait toujours « Fais preuve de rapidité ou tu seras toujours bon dernier. » Et activation. J'avoue que le modèle de course était peut-être de trop. Il faut qu'on arrête ce turbo-pneu avant qu'il ne détruise toute la planète. Wow! Nom d'une fusée! Ce pneu est impossible à attraper. Ce qui explique pourquoi on l'avait attaché avec une corde. Oui, bien sûr! Dico Robot, tu viens de me donner une idée sidéralifique. Tout d'abord, je vais faire un lasso. Ensuite, je devrais m'approcher du pneu. Chef,
Si l'on se fie à mes calculs, c'est impossible! À moins d'être équipé d'un genre de fusée. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Non, mais oui, il peut faire ça! Le patrouilleur Roger est vraiment chouette! Je te tiens! Oh! Ah! Je crois que c'est lui qui me tient! Prépare au bon! Éteins l'électromoteur, vite! Tout de suite, chef! Qu'est-ce que tu dis, Rover? Il y a une corde dans l'arbre? Nom d'une pluie de comète! Sans toi, je n'aurais même pas remarqué! Dis, robot, montre-moi ce qui se compose d'une corde et d'un pneu. Une balançoire pneu! Voilà comment nos amis terriens s'amusent avec le pneu. Ils se balancent d'avant en arrière au bout d'une corde. Bricorobo, peux-tu fabriquer plus de cordes? Tout de suite, ô chef sidéralissime. Bricolomus, Maximus, Cordimus. Parfait, Bricorobo. Wouhou, génial! Voici un pneu super sidéralifique et idéal pour se balancer. Hourrah! Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. Ouais! On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Waouh! Qui a réparé la balançoire pneu? Le patrouilleur sidéral Roger! C'est vraiment super! Merci, Roger! C'est sidéralifique! Rover? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dis, Corobo? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robo, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robo. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. Liki-Robo, Liki-Robo, Répa-Robo, Viva-Robo, Rico-Robo, Costa-Robo. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Bonjour, petite créature terrestre. Explique-moi, quel est ton problème? Qu'est-ce qu'elle dit? Vraiment? Elle a perdu son bébé, hérisson. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission...
mission supersonique. On ne renonce jamais, on est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. Retrouver le bébé hérisson pour pouvoir dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, retrouver le bébé hérisson. Faisons vite comme une météorite. Je me demande où il a disparu. Tu entends le bébé de l'autre côté de la barrière? Oh, je suis sûre qu'il est passé par ce trou. Allons le chercher, les robots. Le hérisson doit se trouver quelque part par ici. Chef, il y a une espèce de magicien barbu par là. Je parie que c'est lui qui a transformé ces pauvres créatures en statues. Si c'était nous les prochains. Cet endroit a l'air dangereux. Je pense que c'est une mission idéale pour Rover. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis d'ailleurs, un magicien ne fait pas le poids contre un patrouilleur. Le hérisson se cache sous cette couche de bout de bois. Ça s'appelle du paillis. Et il me paraît impossible de retrouver un bébé hérisson là-dessous. Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur sidéral. Surtout quand on a de super robots. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot. Lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot. C'est un as du recyclage. Et vos robots? Activation. Déchets. Bienvenue à cette mission, Dévo Robot. Il faudrait que tu recycles tout ce paillis pour qu'on retrouve le bébé hérisson. Déchets, déchets, déchets. Déchets. C'est aussi doux qu'un coussin. Réveillez-moi quand le travail sera terminé. Et surtout, gardez ce magicien à l'œil. J'ai trouvé le hérisson. Mission accomplie. 1 000 milliards de trous noirs. Il mange ces petites plantes. Mon flair de patrouilleur me dit qu'il est là exprès pour ça. Le mystère s'éclaircit maintenant. Le magicien surveille les plantes et transforme en statue quiconque essaie de les voler. Il ne reste qu'une seule plante. Allez les robots, tenez-vous prêts à l'attraper. Je vais la voir. Déchets. Par tous les geysers de la Voie lactée, d'où sort toute cette eau? C'est évidemment un tour de ce magicien. Une sorte d'horrible robot arroseur qui garde les plantes. Oh, il est très malin. Ce ne sont que des gouttes d'eau. Allez, les robots. Mais chef, on est en métal. L'humidité risque de nous faire rouiller. Et vous ne devriez pas mouiller votre combinaison, vous non plus. Quand un problème surgit, un patrouilleur réfléchit. Il y a sûrement moyen d'éviter le robot arroseur. Ça, j'en doute. Il faudrait une autre combinaison par-dessus votre combinaison. Je n'ai pas de combinaison de rechange, mais j'ai tous les robots qu'il me faut. Et il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir. Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico-robot, activation. Brico-robot, à votre service. Brico-robot, il faut qu'on atteigne le hérisson sans se faire mouiller. Hein, je vois. Pour ça, il suffit d'un simple système de protection qui permettrait de manœuvrer confortablement tout en restant au sec. Bricolomus, Maximus, Ulimus. Je vous présente ma combinaison spatiale imperméable hyper méga supersonique et ultra rebondissante. Belle invention, Bricorobot. Et comment ça fonctionne? C'est justement ce que cet engin a de plus chouette, ô sidéralissime patrouilleur. On la pilote tous ensemble. Tout le monde est prêt? Allons chercher ce hérisson.
Jupiter, Brico-Robot. Pourquoi fallait-il qu'elle soit aussi rebondissante? Aucune raison particulière, chef. J'adore faire des bons, c'est tout. Bah, moi. Le hérisson, c'est le moment ou jamais. Essayons de faire un grand bond en avant tous ensemble, les amis. À trois, on y va. Un, deux, trois. On te tient. Et l'eau s'est arrêtée. Exactement comme prévu. Mis à part ce léger détail. Encore un coup du magicien. Abandonnez le vaisseau. Les Nicorobos et les enfants là-bas. Mauvaise idée. Retour à bord. Oh, nom de pauvre petit robot bricolo. On va tous s'écraser. Déchets. Il faut que je trouve le moyen de nous ralentir. Chef, si l'on se fie à mes calculs, c'est impossible. À moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille. Dans 3, 2, 1... Non, oh, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Mille milliards de pulsars, c'est bien trop lourd. Je n'arrive pas à la ralentir. Oh, j'aurais jamais dû quitter mon coussin de paillis, si moelleux et si confortable. En coussin de paillis, bonne idée. Où est-ce qu'il va? Pourquoi il nous abandonne? On est tous perdus. Perdu! Rover, aide-moi à faire un énorme coussin de paille! Hourra! Youpi! Vous nous avez sauvés, chef! Toute l'équipe est saine et sauve! Le hérisson aussi! Super sidéralifique! Beau travail, patrouilleur Roger! Mission accomplie. Ouais. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. C'est sidéralifique.